Wesh les mecs, en direct de Los Angeles, on se retrouve pour BMS Crib spécial Phase. Donc là, on est dans les bureaux de Phase, on n'est pas vraiment dans les Phase House. Là, on est sur le lieu de tournage de Zach en roue libre. Donc là, on va faire un petit tour, on va voir comment ça se passe. On va voir comment les choses se passent à Los Angeles. Suivez-moi. Regardez les mecs derrière moi, en direct de chez FaZe. C'est carré, tout est propre, tout le monde est là. Ils peuvent faire du skate, ils peuvent se poser, ils ont un bar, littéralement. Ils ont une cuisine. Ils ont un bureau en haut. Ils se posent là et ils peuvent regarder du foot. Ah, ils ont un simulateur de... Zach est en train de préparer son Zach en libre. Et là, nous, moi je filme tranquillement, je... Putain, c'est improbable, hein. Inch'Allah, vite fait, on a des bureaux là, on va faire des trucs de fou. Donc là, en train de préparer l'émission. Zach Nani, toujours pointilleux. Ça, c'est de la grosse émission qui arrive. Alors, franchement, là, je pense que c'est un des plus grands accords libres que possible. Non. Alright. Later. Right here. Yes? Alors, c'est ici qu'il mange. Nice little display and everything. Side area. Yeah. If you want to go outside to shoot it, you can. With the kitchen. Bunch of snacks, drinks, everything, coffee. Okay. Avec le guide. Michel, le guide. I talk about you. I say you are the guide. You are my sensei. Oh, thank you. So this is just the upstairs area. Yes. This is a space to work? Work, have meetings, just have fun if they need to relax. Yeah, just whatever they need to use it for. Okay. You, and then we have our projector right there. Okay, regardez, ils ont un projecteur et tout, donc ici, tranquille, tu peux regarder des films. We can play video game on this screen? Not on this big one, but on that screen, ouais. we play video games all the time. Okay. Donc en fait, en gros, il y a un écran derrière qui est un peu plus grand que j'ai filmé tout à l'heure, c'est sur celui-là qui joue aux jeux vidéo. Très très bien. Then we have our streaming crates. Basically, they're always set up, so anyone who wants can go in, stream, play video games if they want to take a break. Ok. The creator come here often or not? They come here pretty often, I'd say, yeah. Hein? I make sure to update it weekly, thank just you. So if they decide to come in. Oh, la petite Jimmy Gauss, toute mignonne, toute stylée. Oh, ah, c'est stylé de fou. Ouais, avec les dernières images du dernier Call of. Trop stylé. Le pouf, Phase. Instead of two, we just have a separate one. Yeah. Ah, d'accord, ils en ont deux. What's real nice. En fait, c'est un setup pour le mec qui est tout seul. Ah, voilà, un setup solo pour stream. Incroyable. Trop, 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 trop bien. C'est un skate park. Ah, ouais, d'accord, ils ont un skate park. I want to see everything there. I want to see everything. Can I use the ball? Yeah, absolutely. Oh, oh yeah. Basketball. Ah, il jouait tout à l'heure, le mec. Non, la balle, monte la balle, monte la balle. Même la balle, c'est une phase. I'm a basketball player, but basketball doesn't like me. I suck at basketball. Vas-y, bah, vas-y, vas-y. Tente. Basketball doesn't like me. Let's see, let's see, what you got? Oh! Alors là, fin de Zach en roue libre. Ça arrange le matériel, alors ça va, t'es tranquille. On a plié ça là. T'as plié un classique. Hein. T'as pensé quoi, man? C'était lourd, moi j'ai kiffé. Juste les gens se sont plaints de la trade, machin, mais c'était nécessaire. Ouais, les gens se sont plaints, mais c'était nécessaire. En vrai, on n'avait pas trop le choix, hein. À part s'il y avait une personne qui pouvait genre doubler par-dessus la voix. Ouais. Mais encore une fois, genre c'est pas non plus idéal parce qu'on n'entend pas la personne parler, c'est pas trop naturel donc. Au final, on a fait comme on a pu et je pense que en vrai, c'est lourd. Hein. Moi, je trouve ouais, c'est nécessaire. On a forcément déjà qui n'était pas forcément bilingue et moi, je trouve ça. Ouais, voilà. Et pour ceux qui connaissent, enfin, qui comprenaient genre l'anglais, genre c'était deux fois plus agréable pour eux parce que bah, du coup, ils pouvaient suivre le truc sans trop problème. Ouais. Et une petite latence parce que bah. T'avais la trad. Hein? Ouais, parce que t'avais la trad. Ouais, voilà, c'est ça. Comment pourquoi tu souffles? Qu'est-ce qui se passe? T'étais stressé? Non, je fais du basket. Ah, t'as pas de cardio? J'ai pas de cardio, mon gars. Faut arrêter de fumer!
Là, c'est un truc de fou. Voilà. Alors là, on est dans les offices toujours. Donc en fait, t'as les mecs de FaZe, en attendant de regarder le football américain, ils font du basket. Ou sinon, ils s'occupent. Ça joue à Smash sur des écrans de malade mental. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. T'as déjà joué sur un écran comme ça, toi, sur Smash? Jamais de la vie. C'est grave, hein. The quality of the screen is... Donc là, on est toujours chez FaZe, et donc là, en fait, si t'as des membres de l'équipe qui sont venus pour regarder un match de football américain, ouais. Et là, ils sont en train de, juste derrière, vous pouvez les voir, ils jouent à Smash. Ça joue à Smash. Jusqu'à 8, mec. Ouais. Ouais, tu penses quoi de la FaZe? C'est comment là? Moi, c'est exactement dans le genre de locaux que je veux taffer. C'est exceptionnel. Genre, ouais. Vraiment, c'est immense. Il y a du matériel de fou. Là-bas, il y a des terrains de basket. Il y a des box pour travailler. Il y a des box de stream. Il y a des canapés en haut. Il y a à manger là-bas. C'est n'importe quoi. Vraiment, c'est exactement ça que je transpire en France. Alors, tu penses quoi de la FaZe ou ça? Éclaté, hein. Je vais pas te mentir, petit, chiant, les gens, en plus les jeux sont. Attends, éclatés. Je vais te gifler, qu'est-ce que tu racontes? Non, bon. Je vais lui dire chaîne. Hein. Qu'est-ce que je te dis, frérot, c'est trop stylé, genre t'as un plein d'écran, t'as tellement de lieux, enfin tout est propice pour faire des photos, ouais. Travailler et tout, genre être productif, tes mains, juste ça en fait, tu vois. Tu vois les open space comme ça, t'as un bar, enfin genre t'as tout ce qu'il faut pour que tu restes ici pour travailler. C'est un peu comme l'attitude, comme chez Google et tout comme ça, où c'est vraiment tout est beau. En fait, tu peux venir un jour off. Ouais. Tellement il y a un truc à faire, je te jure, tu viens là avec tes collègues, tu t'amuses trop. Ouais. Je pense que c'est aussi comme ça, hein, c'est pour pousser un peu justement les créateurs de contenu ou les gens qui travaillent chez FaZe à être présents et à taffer ici. Et en fait, tu vois, il en parlait, Temper, tu vois, de la mentalité FaZe un peu, tu vois. Ouais. Et c'est le fait d'être souvent dans les locaux, de t'imprégner du truc qui fait que t'as vraiment. C'est ça, t'as l'équipe dans le cœur, tu vois. Ouais. Parce qu'en vrai. C'est pas uniquement salarié ou ambassadeur, tu vis en vrai FaZe, tu vois. Ouais. Je pense que c'est vrai, c'est on est dimanche, il y a des mecs qui sont là, ils sont en train de bloguer. Ouais, ils font des vlogs et tout. On est dimanche, il y a plein de monde, frère. Et tu vois, genre, ils travaillent sans forcément travailler. Donc voilà, c'est la fin. Avec Zach, on va partir là, donc c'était cool. N'oubliez pas de liker, partager. Je fais comme Zach, tu vois, j'ai appris les bonnes leçons des youtubeurs. T'es un beau créateur. Voilà. Donc on se retrouve très très bientôt. À très bientôt, les mecs. Et voilà, peace.